أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut de la bonté, le salut de la générosité, le salut d'Allah Azawajal. Salam alaikum wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur la reconnaissance de la bienfaisance en islam. Notre invité aujourd'hui est l'imam Yahya Traoré. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située non loin de la mairie d'Abobo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Merci à vous. Alors imam, on a décidé donc de parler d'un thème très important. Il s'agit donc de la reconnaissance de la bienfaisance en islam. Alors, pour comprendre ou pour expliquer, n'est-ce pas, ces différents thèmes que sont la reconnaissance et la bienfaisance, est-ce qu'on ne va pas définir justement ces notions de reconnaissance et de bienfaisance? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec la communauté afin de parler d'un sujet très important que vous avez abordé, la reconnaissance des bienfaits. Ici, en arabe, on parlera de al-thana, ou bien al-hamd, ou bien al-shukr. Dans ce sens large de la reconnaissance, et donc al-shukr, c'est le remerciement, al-thana, c'est féliciter quelqu'un. Ashukr, souvent latin, shukran. Shukran. D'accord. Donc ça veut dire merci. Mm. Et alhamd, c'est le louange. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'adresse à tout cela en signe de reconnaissance pour les êtres humains afin qu'ils reconnaissent les bienfaits que Dieu a fait sur eux. Mm. Et donc ça revient en répétition sur la langue, alhamdulillah. Et l'homme musulman le dit 17 fois dans sa prière obligatoire, rien que pour reconnaître les bienfaits de Dieu, et lui dit merci. Donc, il est important et nécessaire que la reconnaissance du bienfait soit reconnue d'abord et aussi soit dite pour celui qui a fait les bienfaits. D'accord. Mais avec qui doit-on être reconnaissant ou bienfaisant? Envers toute personne ou toute créature ou toute chose qui nous a fait quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on aime. Quelque chose qui nous a été utile dans la vie, dans tous ses sens, dans toute sa dimension. Et donc, ces choses-là doivent être reconnues par celui qui l'a reçu et en retour, remercier ou être reconnaissant envers celui qui l'a fait. Et il faut aussi reconnaissant envers son Seigneur et son Créateur. Absolument. La reconnaissance la plus absolue commence par Dieu. Le fait que nous soyons des êtres et que Dieu nous a créés, cela seulement nous suffit de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et en plus, Dieu nous a distingués pour être musulmans parce qu'il dit dans un verset « Walladhi khalaqakum, celui qui vous a créé, fa minkum kafirun wa minkum mu'minun. » Celui qui nous a créé, parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants à l'égard de Dieu. Par contre, il y a ceux qui sont croyants, qui sont soumis et qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Donc si Dieu a fait de nous des croyants, d'où nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu pour cette faveur qu'il nous a faite. Tout à fait. Alors, parlons spécifiquement de la bienfaisance. Selon vous, pourquoi doit-on être bienfaisant dans la vie, dans la société? Oui, parce que la bienfaisance a des répercussions très positives sur celui-même d'abord qui fait la bienfaisance. Parce que quand on regarde même scientifiquement, c'est le pôle positif.
Et donc, quand c'est positif, ça donne tout ce qui est positif. Et quand on fait quelque chose de bien, ça rentre dans le cadre de la bienfaisance. Or, pourtant, le bien revient à celui qui l'a fait. Et donc, c'est deux choses. Lorsqu'on fait le mal, ça nous retourne. Lorsqu'on fait le bien, ça nous retourne également, psychologiquement, socialement et même spirituellement. Et c'est pourquoi très souvent, on entend dire tous ces péchés sur terre. Absolument. Parce que tout a une répercussion sur celui qui fait. Il y a un résultat toujours dans un acte qu'on pose. Donc, d'où il faut faire ce qui est bien. Parce que ça va retourner sur nous-mêmes. Comme Allah l'a dit, Man amila saliha fali nafsihi. Celui qui fait le bien l'a fait pour lui-même. Wa man asa'a. Par contre, celui qui fait le mal, fa aliha. Donc, la personne ressent le poids du mal. Donc, ça devient un fardeau sur la personne parce que c'est négatif. D'accord. Le mal est négatif, le bien est le positif. Alors, il est important de faire du bien. Absolument. D'accord. Alors, justement, un commentaire sur ce hadith qui dit, je cite, « Ô messager d'Allah, j'ai commis un énorme péché. Ai-je une chance de me repentir ?» Le messager d'Allah demanda, « As-tu des parents ?» Il répondit, « Non. » Le messager d'Allah lui demanda, « As-tu une tante ?» Il répondit, « Oui. » Alors, le messager d'Allah lui dit, « Donc, sois bienfaisant envers elle. » Alors, le hadith, il est clair. Oui, il est clair, parce que quelqu'un qui fait le péché est considéré comme des fardeaux, comme on vient de le dire, c'est des taches noires. Or, le bien est considéré comme quelque chose de bien et positif. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vous faites le mal, suivez le mal du bien. Le bien peut effacer le mal. Dans ce contexte, ce monsieur, à travers ce hadith, le messager le conseille de faire encore les choses du bien. Bien sûr. Quelque chose de bien. Et en cela, le fait de faire le bien, comme Allah dit dans le verset coranique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lorsque vous faites le bien, vous le verrez, même si c'est le poids d'un atome. Le mal également, vous verrez, même si c'est le poids d'un atome. Donc si le bien pèse mieux que le mal, donc cela fera que le péché peut être recouvert par le bien. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam le conseille de faire le bien. Parce que le bien peut effacer le mal. Tout à fait. Alors, une chose est de faire du bien, mais une autre chose est également de reconnaître le bien qu'on vous fait. Absolument. Alors, que pouvez-vous dire sur la reconnaissance du bien? La reconnaissance du bien est un élément important, capital, essentiel pour celui-même qui reconnaît d'abord qu'on lui a fait du bien. Mmh. Donc, le fait de reconnaître le bien à notre égard, ça, c'est une prise de conscience. Tout et également, c'est une humilité, dire que quelqu'un m'a fait du bien. Et quand on est comme ça, ça veut dire que la foi y est. Et on sait qu'on pourra aussi faire à quelqu'un d'autre ce bien-là. Et remercier la personne en dehors de la reconnaissance du bien est un élément capital. Ce hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, lorsque quelqu'un vous fait du bien, retournez ce bien-là en bien à la personne. Si vous n'avez rien pour donner à cette personne, faites des bénédictions pour la personne jusqu'à ce que vous soyez vous-même satisfait que vous lui avez donné quelque chose à travers la bénédiction. Vous voyez, ça va devenir quelque chose dans l'intimité entre vous et Dieu. Faire la bénédiction pour la personne parce qu'on n'a rien à donner à la personne. Tout à fait. Mais en faisant des bénédictions, ça devient quelque chose d'intime entre celui qui est reconnaissant à l'égard du bienfait qui est fait à son égard. Et donc, les bénédictions qu'il va faire, jusqu'à ce que lui-même il soit satisfait qu'il a vraiment donné quelque chose à la personne, tout en sachant qu'on ne fait jamais assez de bénédictions. Tout à fait. Alors, imam, doit-on être reconnaissant ou doit-on faire du bien à celui qui n'est pas reconnaissant? Le fait de faire le bien pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à notre égard freine l'élan de celui qui fait le bien. Tout à fait. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va nous dire « La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab ila shadid » Lorsque vous êtes reconnaissant à mon égard pour les bienfaits que je vous fais, je vais vous croître en abondance. Mais lorsque vous n'êtes pas reconnaissant à mon égard, mes châtiments sont très douloureux. Donc pour nous dire que celui qui fait le bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas son bienfait, on le dit dans beaucoup de jargon, il n'est pas trop essentiel de faire le bien à cette personne parce qu'il ne montrera pas aux gens que vous lui avez fait du bienfait et donc le bienfait sera caché. Or, pourtant, le bienfait doit être montré à tout le monde qu'il y a eu un bienfait.
Elle avait dit dans la fin de la sourate Doha, « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. » Quant au bienfait de ton Seigneur, exprime-le. Et donc, il est très important d'attendre à ce que la personne soit reconnaissante au bienfait qu'on lui a fait et lui dire merci. Ça va l'encourager à faire d'autres choses. Et ce n'est pas ce qu'on voit très souvent. D'aucuns, ne reconnaissent jamais le bienfait. Oui, celui qui ne reconnaît pas le bienfait. On n'arrête pas de faire le bienfait à son égard, mais il faut faire le bienfait plus pour celui qui reconnaît le bienfait. D'accord, voici qui est clair. Absolument. Alors, Imam Traoré, ces 5 lettres, M-E-R-C-I, merci. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une marque de reconnaissance, le fait de dire merci à quelqu'un qui vous a fait du bien? Absolument, ces 5 mots dans tous les jargons, dans toutes les langues, ce n'est pas beaucoup. Shukran, en arabe, dans d'autres langues, on va voir que ce n'est pas long. En ce nouveau, on dira batouna. Là, on va dire Elitier. Tout à fait. Mais cela donne la satisfaction à celui qui le dit et qui donne également de la joie à celui qui l'entend parce que ça l'encourage. Et puis, il saura ce qu'il a fait, que c'est bon. Parce que souvent, on fait quelque chose, mais on ne connaît pas la dimension de cette chose. Mais le fait qu'on soit remercié avec ces 5 lettres, vous voyez qu'on saura que ce qu'on a fait est bien. Celui qui va dire, cette personne sera remplie de sens d'humilité et cette personne saura qu'on lui a fait quelque chose. Au-delà de ça, il pourra dire merci. Donc ce sont deux actes, c'est-à-dire deux actes qui vont se croiser et ça va sortir quelque chose de très positif. Le sourire également, le fait de sourire à une personne. Absolument, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le fait de sourire dans le visage au regard de ton frère, c'est un acte de générosité, de sacrifice. Donc cela veut dire que le messager nous a tout dit afin que le social, c'est-à-dire les actions entre les êtres humains, soient reconnues par les actes qu'il pose. D'accord, par les actes qu'il pose, c'est vraiment très important. Mais selon vous, pourquoi un fidèle musulman ne dirait pas merci à son frère qui lui ferait, n'est-ce pas, du bien? Bon, cela peut s'exprimer par plusieurs choses. La première, je dirais, par le manque de sagesse. La deuxième, je dirais, par le manque d'humilité. La troisième, je dirais, par le manque de la foi. Et donc, je dirais, afin pour conclure, que la personne est orgueilleuse et que la personne est envieuse. Et quand quelqu'un est rempli de tous ses défauts, la personne ne pourra jamais dire à quelqu'un merci. Parce que la personne sera comme le shaitan qu'Allah nous préserve, qui n'a même pas pu dire merci à Dieu parce qu'il était orgueilleux. Lorsque Dieu lui a dit de s'incliner pour Adam, il dit, il n'a pas fait. Wastakbara. Il s'est rempli d'orgueil. Le fait de ne pas pouvoir être reconnaissant à l'égard d'un bienfait et dire merci, le résumé, c'est l'orgueil qui le fait. Est-ce que ça ne fait pas du bien même et à l'émetteur et au récepteur que d'entendre ce mot merci ou de dire merci? Ça fait du bien, puisque Allah veut même qu'à lui on dise merci. Allah veut cela. La in shakartu. Si vous me remerciez, donc Allah veut entendre qu'on lui dise merci, alhamdulillah. Donc, quant à l'être humain, lui aussi veut entendre cela, même s'il ne le dit pas, parce qu'il mérite qu'il entende qu'on lui dise merci pour ce qu'il a fait. Tout à fait. Pensez-vous pas qu'il soit bienséant dès le bas âge d'apprendre ces notions de bienfaisance, de reconnaissance, de merci à l'enfant? Absolument. Dans notre culture, dans l'islam, lorsqu'on donne quelque chose à un enfant, il faut que l'enfant sache dire merci. Et c'est pourquoi nous voyons dans notre culture, quand la femme prépare, elle vient de poser, on dit iniba. Et quand on finit de marcher et de manger, les enfants disent à leurs parents, baba barka. Donc tout ça, ce sont des signes de reconnaissance, des bienfaits et dire merci pour tout ce que tu m'as fait. Et maintenant, celui à qui on dit merci va pouvoir dire merci à Dieu en disant « Barka alaye », merci à Dieu qui nous a donné ça. Donc cela, ça fait l'harmonie, ça fait qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent entre les hommes. Et à votre réveil le matin, vous sentez que effectivement Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce souffle de vie-là. Est-ce que nous n'avons pas été reconnaissants envers Allah avant même, n'est-ce pas, de se laver le visage? C'est tellement important que Allah dit, je vous ai fait tellement de bien que vous ne saurez même compter ces biens-là. Vous voyez, Allah nous dit ça dans le verset.
Si vous voulez compter les bienfaits de Dieu, vous ne saurez le faire. Et c'est tellement énorme, c'est tellement beaucoup. Le fait de relever cet aspect, se lever le matin et voir que nous avons le souffle de vie, l'islam nous a tout enseigné, l'islam nous a tout donné. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman se lève le matin et qu'il voit qu'il a le souffle de vie, il a la santé, même pas la santé, mais qu'il a le souffle de vie, qu'il dise Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Bien que je retournerai à Dieu, mais merci Dieu de m'avoir retourné le souffle de vie qu'il m'avait retenu pendant que je dormais. Donc merci à Dieu. C'est la première phrase que le musulman doit dire lorsqu'il ouvre les yeux après son réveil. Vraiment très important. Absolument. La reconnaissance envers son Seigneur, son Créateur. Alors est-ce qu'il est judicieux justement d'attendre la reconnaissance d'une personne lorsque vous lui faites du bien? Je dirais oui, parce que ça nous encourage. Intérieurement, ça nous encourage. Mais l'exprimer, non. Il ne faut pas demander à la personne de dire. Si la personne dit, ça n'aura plus de valeur. Mais il faut s'attendre à ce qu'on nous dise merci pour qu'on sache que ce que nous sommes en train de faire est important. Je l'ai dit en référence à ce verset, lorsque Allah dit « Wa amma bi ni'mati rabbik » Quant au bienfait de ton Seigneur, « Fahaddith » exprime cela. Donc, dans l'expression de ce bienfait d'Allah, Allah veut l'entendre, c'est pourquoi il dit Oshkuruli, washkuruli, remerciez-moi, wala takfurun, ne soyez pas ingrat à mon égard. Voyez cela, donc c'est important pour l'être humain, mais en tant qu'être humain, il ne doit pas le dire, parce que s'il le dit, ça deviendra comme un acte d'ostentation. On le constate hein, dans nos sociétés, voilà, je fais du bien à M. Koné, il ne m'a pas dit merci, bon, je fais du bien à telle personne, et vous-même, vous vous vantez d'avoir fait du bien. Que vous exprimez, les connus ne sont pas reconnaissants souvent. Donc, mais le fait de dire j'ai fait du bien à telle personne qui ne m'a pas dit merci, c'est l'expression de la négativité qu'on sent après d'avoir posé un acte positif. Et là, c'est important de le dire parce que celui qui ne le dit pas ne se verra pas récompensé après. Et puis on saura que la personne n'est pas reconnaissant à l'égard de celui qui fait le bien. Même le fait de l'exprimer n'est pas mauvais, mais ne pas l'exprimer, Allah sait ce qu'on a fait. Mais entre nous les êtres humains, il est bien de savoir qu'on a fait quelque chose et que la personne a aimé ce qu'on lui a fait. Il se peut que ce qu'on lui a fait comme bienfait, qu'il n'a pas aimé. Donc si la personne n'exprime pas ce bienfait à travers le simple mot merci, on va douter de ce qu'on a fait en bienfait, à savoir si c'est bien fait. Est-ce qu'on doit ressentir réellement la reconnaissance, la bienfaisance dans le foyer? Bien sûr, c'est l'élément essentiel, primordial, parce qu'on doit être reconnaissant d'abord à l'égard de Dieu, en plus à l'égard de nos parents qui nous ont mis au monde, à l'égard de nos conjoints et conjointes, parce qu'on s'échange, on se complète. Il y a des choses que la femme fait que moi, l'homme, je ne peux pas le faire. Il faut être reconnaissant à l'égard de ça. Elle nous donne des enfants, elle regarde nos enfants. Et la femme également, il y a des choses que l'homme fait qu'elle ne peut pas le faire. Donc la protéger, la protection sociale, l'affection, ainsi de suite, et même lui donner certaines choses, même quand bien qu'elle peut l'avoir, mais le fait de lui donner, tout ça, la reconnaissance entre nous dans le foyer est très important et le messager l'exprime. Tout à fait. On entend très souvent dire que voilà, j'ai acheté un sac de riz pour mes parents, j'ai acheté du lait et autres. Et à chaque fois, ils me demandent encore plus. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît cela? C'est bien fait. Ça à l'égard des parents, là, c'est une ingratitude de ne pas reconnaître les bienfaits des parents. On ne saura jamais récompenser un parent. Et un type vient comme ça dire à Omar, Omar, ma mère est très âgée. Et c'est moi qui la lave, c'est moi qui la nourris, je la porte au dos, je fais tout pour elle. Est-ce que j'ai pu faire ce qu'elle m'a fait? J'ai pu récompenser ma mère pour ce qu'elle m'a fait? Omar dit, éloigne-toi de moi, tu ne sauras jamais récompenser ta mère. Dans l'optique où ta mère, lorsqu'elle faisait pour toi quand tu étais bébé, son objectif était que tu grandisses,
tu aides la vie, tu prospères. Mais pendant ce temps que toi, tu es en train de faire pour ta mère, ton objectif est qu'elle décède un jour. Les deux objectifs sont tellement différents. Très différents. Que tu ne sauras jamais faire du bien assez pour tes parents. Le fait de dire que mes parents, je fais du bien pour mes parents, mais chaque fois, ils veulent que je fasse. La leçon que nous devons retenir ici, le bienfait exprime toujours la récompense divine, la satisfaction de Dieu. Lorsqu'on pose un bienfait, un acte de bienfaisance, on ignore que Allah nous récompense. Et cet agrément de Dieu, cette satisfaction de Dieu qui est sanctionnée par une récompense, on ne doit pas être lassé de faire le bien. C'est pourquoi même celui qui ne reconnaît pas, quand nous faisons le bien pour cette personne, on a une récompense divine. À plus forte raison, les parents, ce n'est pas bien de le dire. Est-ce qu'il faut accepter la bienfaisance d'un non-musulman? Bien sûr, parce que le musulman même doit être bienveillant envers les non-musulmans, comme Allah dit dans ce verset, « Wa ahsin kama ahsan Allah ilayk ». Vous voyez, là il n'y a pas de spécificité. Allah dit « Sois bienveillant comme ton Seigneur l'a été pour toi ». Donc c'est dans un cas général. Même aux animaux, pas un non-musulman, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Même l'environnement doit bénéficier de notre bienfait ». Parce que nous devons assainir l'environnement. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam « Wa tumitu adha anittariq sadaqa » Le fait d'assainir l'environnement. Donc l'environnement va bénéficier ici de notre acte de bienfaisance, que c'est un acte de sadaqa. À plus forte raison, un animal qui a une âme, un homme, un être humain, et même s'il n'est pas croyant, il mérite qu'on lui fasse du bienfait. C'est ce que notre religion nous enseigne. Vraiment, c'est ce que notre religion nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui? Nous pouvons retenir tout simplement que chaque personne doit dégager en lui l'énergie positive. Et cette énergie positive nous amène à faire tout ce qui est bon. Et tout ce qui est bon, lorsque nous posons cet acte, ça revient encore pour nous. C'est fait que c'est comme c'est nous qui le recevons. Et pourquoi ne pas le faire à chaque moment? C'est pourquoi Allah veut à chaque fois que nous soyons constamment dans l'adoration, parce que c'est l'énergie positive, c'est le bienfait, c'est la reconnaissance à l'égard de notre Seigneur. Et nous, ça nous fortifie, ça nous réconforte, ça nous grandit, ça fait que nous devenons des gens parfaits ou presque parfaits. Alors donc, on retient, comme vous l'avez dit, que le bon musulman, c'est celui-là qui est reconnaissant, n'est-ce pas, à l'égard de son bienfaiteur. Absolument. Tout à fait. Alors vous allez résumer en malinké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alaka abbe sawaba. Amen. Avec mon ami Kambi, Ole ka walimandon, ka nyumaya walimandon. Nyumaya yere mune. Donc, bamanangana ni kame nyumaya. Ole ka feke, mouye, femi naba jususma. Ni akadai. Donc, ole nyumaya ye. Donc, ni mo fana ka nyumaya kiye. Il faut essayer de long, attirer quand il y a des kenyans, ni mon café dim, voilà quand il est l'heure de la l'heure à tourner, voilà à la fin de la semaine, ça va vous mener ni belle et trop nyama. Donc, ni faut essayer la colo attirer, car faut quoi qu'à niquer, faut quand qu'à attirer faut, nyama long, attirer, au bas tout nyama veut se cacher tout, au bas tout faut nyama veut se cacher ma oreille, mille il est retenu. Au savoir où il y a que soit Allah et recours la in shakartu la azidan nako na kané ala walimanlon mais deux fois à kané maka mais na fitil waliala ni ala et reba ni a jangata sou akatia fana yelou bafo wati chamako damite koromanlon au courant que poutoué mais en fait dina la momi ibn mayakae a tese ka long kuika mayakae ite mayatigama. Parce que il est mis bien du mayaké, il y a l'ondi qui a du mayaké watio wati. Allah be hera le kiyé. Allah be baragiti ilema. Donc allez à fitil walia keni bari il y a du mayaké lila. Donc il y a du manka et wati ben. Mais mon be du man waliman long, du man cha manka kake olé katme manka mité à waliman long. Sharia fana bolé ira ana. Parce que ni ka du manké moi na ka lo il est juste bien. Voici son kanyuma waliman long au kan ka kes la mama dia boyale ka sababu yake rasul ko sallallahu alaihi wasallam ni modo kanyuma yake
aye fenda ma ka yira la ko ya jumaya adialaye na ma fen soro ka dama wala ma fen soro ka foaye ko e duo kai ka ke ka ke falu ire ta wasa duo ko no kwa ka fenda ni kuma pale do modo ba lo ka fo duo wa te ke fo ka sa dana ko nga duo ke ka pa donc mais il ire le ta lo ya wali man lo ko no qui ka duo ke ka ke fire ta no son dia otma ole nyuma ya walima ndo islam ya la beka ka bamba ka ke nyuma ya ke bae mukoso sabuna fle ni ka nyuma ya ke abe segi yere le ni ka duma ke abe segi yere le donc ye bamba ka nyuma ya ke mouye mou ka loye o mal loye ala be paradis se be ile abe batu ki sabati nyuma ya ni kella foka ta se ikoma Jumaya kebra o jumaya kebra e ba e accord ala tato abadan ko so ala bina fanyana korona kono ko yala sara wore be jumaya la jumanko ni sara wore te jumaya la jumanko se kanka ka jumaya ke ola mayere ka a unche motu ya bruma ole ni ala ka ke jumaya kebra o amin. Merci à vous, imam, pour ce résumé à Malinké et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Traoré Yaya. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située non loin de la mairie d'Abobo. Avec lui, nous avons parlé de la reconnaissance de la bienfaisance. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. الحمد لله المتفرد بالملك والخلق والتدبير. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah l'unique, le grand, et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Paix et bénédiction sur lui, ainsi que ses compagnons dignes de guidance et piété, et ceux qui ont suivi leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez que lorsque vous êtes soumis. Chers fidèles, chers frères et sœurs, le lever du soleil à l'est et son coucher à l'ouest est une preuve qui illustre que la vie court tous les jours vers sa fin et sa terminaison. Et vous devez réaliser, chers frères et sœurs, que le lever du jour et la tombée du soleil nous éloignent de la vie et nous rapprochent de l'au-delà. Chers fidèles en Dieu, que peut-on retenir de nous concrètement comme bonne œuvre que nous avons faite? Qu'est-ce qu'on peut retenir de nous dans cette année comme une bonne œuvre que nous pouvons prendre pour nous vanter devant Dieu? Chers fidèles, le croyant sincère a l'obligation, à un moment donné, de réfléchir sur sa vie lorsque le temps passe et les années s'écroulent. Qu'est-ce qu'il a fait? Et dans quelles conditions il doit croiser son Seigneur Allah le glorieux? Combien sont les frères qui nous sommes chers, que nous avons perdus durant cette année? Il y a combien de mauvaises actions que nous avons posées au cours de cette année? Combien d'événements difficiles et tragiques qui se sont passés au cours de cette année? Personne n'y pense. Pourtant, nous devons en réfléchir au cours de ces jours. Chers fidèles, c'est pourquoi il est du devoir du musulman à la fin de chaque année de se juger lui-même et réaliser le poids de ce qu'il a fait. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disait: jugez-vous vous-même avant d'être jugé et pesez vos actions
avant d'être devant la balance divine. En cela, chers frères et sœurs, lis dans les pages de ta vie passée. Il faut ouvrir les pages de ta vie de 2019 et puis il faut lire. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait pour l'homme, ce que tu as fait pour l'au-delà. Interroge-toi. Qu'est-ce que ta langue a dit au cours de cette année? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que ce qu'on dit nous suit généralement. Qu'est-ce que tu as dit au cours de cette année? Au cours de cette année-là, interroge-toi. L'année est finie. Qu'est-ce que toi tu regardais? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? Où tes pieds sont allés? Interroge-toi. Qu'est-ce que tes mains ont touché? Tu peux faire cette comptabilité devant Dieu, ce que tu as attrapé. Il faut t'interroger, chers frères et sœurs. As-tu fait tes obligations en vis-à-vis de Dieu? Chers frères, chères sœurs, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a longtemps vécu et faire des bonnes actions. Et en cela, le prophète disait, « Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khayr, wal mauta rahatan li min kulli shar. » Oh Allah, fais de la vie pour moi une croissance de mes biens et la mort un repos pour moi de tout mal. Cher fidèle en Dieu, lorsque ceux qui sont à la recherche des intérêts et du bien-être de la vie font du contrôle, bilan et inventaire le motif essentiel de leur succès dans cette vie, pourquoi nous n'en faisons pas autant pour l'au-delà? À la fin de chaque année, tous ceux qui font les affaires, les commerçants, les entreprises, les sociétés, tout le monde va commencer à faire les bilans pour voir est-ce que nos affaires ont prospéré, pour voir est-ce que ce que nous faisons est fertile. Alors si c'est ce qui fait leur succès, pourquoi nous qui sommes à la recherche de l'au-delà, nous ne faisons pas du bilan l'une de nos préoccupations pour l'au-delà? Alors, il est impératif pour tout croyant d'avoir quatre moments fondamentaux dans l'organisation de sa vie selon l'enseignement divin. Premièrement, un temps pour se consacrer à son culte. C'est comme ça qu'il faut organiser sa vie. On ne peut pas passer tout le temps à travailler. On ne peut pas passer tout le temps à se distraire. On ne peut pas passer tout le temps à dormir. Cela voudrait dire qu'il faut organiser le temps de sa vie. Et il faut avoir quatre moments essentiels. Premièrement, un temps pour se consacrer à son culte. Tu vis dans cette vie, tu vas quitter. Et tu es comptable de ce que tu dois faire, ce que tu as fait. Alors il faut avoir un temps pour ton culte, ta relation avec Dieu, ton devoir que tu as vis-à-vis de Dieu. Il faut avoir un temps pour ça. Si tu n'as pas ça, alors toi tu es malheureux. Parce que si tu quittes cette vie, alors c'est fini pour toi. Qu'Allah nous donne la foi. Le second temps qu'on doit organiser dans notre vie, c'est un temps pour faire son bilan et son testament. Il faut te juger toi-même. L'année est finie. Est-ce que toi tu as prospéré? Est-ce que toi tu as avancé? Toi, tu es jeune, tu as 40 ans, ah, il est 2020, en tout cas, il vient d'avoir mes 40 ans pleins. Oui, tu as les 40 ans pleins. Mais est-ce que tu as prospéré? Tu as une famille, toi? Tu as des enfants, tu as une femme, tu travailles? Est-ce que tu dépends de toi-même? Tu ne mènes pas une vie parasitaire? Tu es une jeune fille à 40 ans, tu es encore 2020. J'ai 40 ans maintenant. Mais tu es marié? Tu as une famille, tu es responsable de ta vie. Fais-toi un bilan. Il faut faire ton inventaire. Si tout de suite tu devais mourir, quel sera ton testament? Tu vas dire quoi aux gens? Il faut avoir ce temps dans sa vie. Il faut s'auto-critiquer. Il faut se demander quelle est moi ma situation à l'heure où je suis dans cette vie. Le troisième temps, c'est le temps pour méditer sur la vie et le monde. Souvent, il faut regarder le monde et réfléchir. Ça te permet toi-même d'être stable. Ça te permet toi-même d'être soi-même. Et le quatrième temps est un temps pour vaquer à la recherche
de tout ce qui est indispensable pour sa vie en travaillant. Il doit avoir un temps dans ta vie, c'est le temps de travail. Toi, tu dois travailler aussi pour avoir voiture. Ceux qui ont voiture, là, c'est le travail qu'ils ont fait. Pourquoi toi aussi, tu ne peux pas avoir une voiture? Tu dois travailler toi aussi pour avoir une femme. Ceux qui ont les femmes, ils les ont mariées. C'est parce qu'ils ont travaillé pour avoir les moyens. Il faut avoir un temps pour travailler, pour avoir ton quote-part que Dieu a prévu pour toi dans cette vie. Et ce temps-là aussi doit s'organiser. Ça veut dire que ton temps de travail ne doit pas te trouver en train de dormir. Chers fidèles, nous devons faire notre autocritique et notre bilan. Qu'Allah facilite pour nous et qu'il nous donne un bon bilan. Face à là que lorsque nous allons faire notre bilan, face à là que ça soit une prospérité pour nous. Le ministre de la Réconciliation nationale veut commencer sa mission avec les conseils des guides religieux. Il vient de solliciter l'aide de ceux qu'il considère désormais comme des collaborateurs. Je suis venu en premier lieu saluer nos frères musulmans et leur confier ma mission. J'aurai besoin d'eux, de leurs conseils, de leurs encadrements. J'ai commencé par eux. Je verrai aussi leurs frères des autres confessions religieuses. Ce pays est bâti sur un socle. Il n'a pas connu de guerre religieuse. Il n'en connaîtra pas, je pense. Ils ont besoin que chacun joue sa partition dans cette nouvelle dynamique. Le cheikh du COSIM, Mamadou Traoré, salue ce geste et traduit son engagement à accompagner le ministre dans sa démarche pour la paix. Vous avez mon engagement, l'engagement de tous les imams, d'être avec vous, de vous aider afin que vous réussissiez dans la mission que le président de la République vous a confiée. Aussi bien le musulman que le chrétien, puisque nous nous sommes donné la main. De faire en sorte que les Ivoiriens se sentent frères et sœurs, vivent dans la cohésion, avancent vers le progrès et le développement. Kwadwo Konamberta a pour mission de faire avancer la réconciliation nationale engagée depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Il entend surtout travailler à l'apaisement de la scène politique. La responsabilité de la jeunesse musulmane au renforcement de la cohésion sociale. La responsabilité de cette jeunesse dans les dérives que connaît la société, la dépigmentation et son impact sur la santé. Ce sont, entre autres problématiques développées au cours du séminaire de formation islamique et managériale en Nour, du sous-comité AMC de Bingerville, Cocody Nord. C'était au lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville à l'occasion des activités annuelles de cette association de jeunesse musulmane. La jeunesse, c'est l'école. Il faut qu'ils se forment à l'école, ils aient de bons diplômes, ils travaillent. Et quand un jeune travaille, il devient responsable et fort et il peut se prémunir contre toutes sortes d'utilisations, tant des politiciens que de toutes sortes d'idéologies. On vient pour évoquer le thème relatif donc à la cohésion sociale. La cohésion dans notre pays, la responsabilité des jeunes, particulièrement de la jeunesse musulmane, au renforcement de la cohésion dans notre pays. Donc nous avons estimé qu'il était important que, quels que soient leurs âges, dans un langage qui leur est accessible, qu'on vienne pour discuter avec eux sur l'importance du maintien de relations fraternelles dans notre pays, quelles que soient nos divergences culturelles, politiques, ethniques et sociologiques. Qu'il était important d'expliquer aux séminaristes un peu qu'il est dangereux donc de faire la dépigmentation, d'utiliser des produits éclaircissants, parce que cela risquait donc d'altérer gravement leur santé, pouvant même aller jusqu'à la mort. Pour les participants,
Ces différentes thématiques animées au cours de ce séminaire viennent à point nommé. J'ai compris que la dépigmentation est une pratique qu'il ne faudrait jamais, alors au plus grand jamais, tenter de pratiquer. Parce que cela nuit à notre propre santé et cela a des répercussions négatives sur notre vie sociale. Les initiateurs, quant à eux, se réjouissent de la qualité des conférences et exhortent la jeunesse musulmane à mettre en pratique les conseils prodigués par les conférenciers. Nous voulons dire en fait à la communauté musulmane que nous sommes une communauté exemplaire. Et si donc nous sommes une communauté exemplaire, il faudrait qu'à travers nos actions, à travers nos comportements, on arrive vraiment à prouver cela. Donc c'est inciter jeunesse musulmane à pouvoir préserver la paix, à pouvoir renforcer la cohésion sociale afin qu'ensemble nous puissions vivre dans une société assez épanouie. Le sous-comité de l'Association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire de Benjaville-Cocody-Nord entend d'ici la fin de l'année initier plusieurs autres conférences pour le bonheur de ses militants. Prière pour la paix et la cohésion sociale pour des législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Une initiative de Cheikh Mohamed Traoré. Une séance de prière qui a regroupé plus de 5000 fidèles venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Des ressortissants des pays de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire étaient également de ce rendez-vous. Plusieurs guides religieux ont pris part à la rencontre. Une lecture coranique. Et des bénédictions ont constitué les temps forts de cette journée de prière et pour les législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Autre moment important de cette rencontre de prière pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, le partage d'un repas avec tous les participants. Le Dieu donc qui nous a donné la paix de toutes les années qui sont passées. Nous souhaitons que notre pays continue d'avoir toujours ces mêmes paix-là. Et que toutes les religions s'entendent, que toutes les classes politiques s'entendent, que la paix revienne dans notre pays comme tel que ça était avant, qu'est-ce comme ça est. Enfin, la cérémonie de prière s'est achevée par la grande prière de la mi-journée sous la direction de Cheikh Mohamed Traoré. Niambo, village situé dans le département de Niakaramadougou, dans la région du Hambol, au centre nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la communauté musulmane a célébré le Maulid, fête qui commémore la naissance du Saint-Prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, pour l'humanité, l'importance de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. Des thèmes développés à l'occasion de cette nuit du Maulid. Les imams et les guides religieux de cette cérémonie religieuse ont invité la communauté musulmane à adopter un comportement exemplaire à l'image du Saint-Prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, le message des hommes de Dieu bien reçu par les fidèles. La célébration du Maulid à Niambo, une initiative des filles et fils du village. Objectif, sensibiliser la jeunesse musulmane à mieux connaître leur religion et le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le lendemain, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans, ressortissants de Niambo venus des villages voisins, des villes de l'intérieur et des communes du district d'Abidjan se sont rendus dans les deux cimetières du village pour prier pour leurs parents. Rappelés à Dieu, exaltés soient-ils. Pour les hommes de Dieu, la ziara au cimetière est un acte de foi que tout fidèle musulman doit privilégier pour le salut de son âme. Au cours de cette cérémonie islamique, des bénédictions et des prières ont été faites au cours de la prière du vendredi pour le développement du village. Mais également pour les filles et fils du village, pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. De nombreuses doléances ont également été formulées à l'endroit des cadres, des autorités, des filles et fils de Niambo et du département de Niakara pour la finition de la nouvelle mosquée en vue de permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leurs différentes prières dans la quiétude et la sérénité. Plus de 3000 participants à l'édition 2020 de la Ziarat, une cérémonie religieuse en musulmane qui consiste à visiter les tombes des précurseurs de l'islam dans la localité. Elle regroupe les guides religieux et les fidèles tous les deux ans à Mbola Dioulasso,
village de la sous-préfecture de Dabakala, région du Hambol. On a prié aussi à ce que les législatives qui arrivent se déroulent aussi très bien, sans palabre, que tout le monde dépose sa candidature. On doit voter. Bon, celui que tu aimes, tu votes la personne sans palabre. Le regroupement religieux est à l'initiative de l'imam Daouda Baïkoro. Thème de la présente édition, paix et cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire prospère en 2021. Prier pour nous-mêmes et pour la Côte d'Ivoire, qu'on s'aime entre nous sans d'autres problèmes. C'est l'objectif de notre prière. Les festivités ont débuté par une veille de prière, pendant laquelle le Coran a été lu 41 fois, à la grande satisfaction des fils du village. C'est un message de fraternité à tous ceux qui sont venus. Nous prions pour nos défunts. Nous prions également pour toute la Côte d'Ivoire et particulièrement nous prions pour le président de la République. La clôture de la rencontre religieuse a enregistré la présence de plusieurs autorités de la région du Hambol, notamment celle du ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly et du député Aboubakary Koulibaly, tous représentés. Cette prière, Morla a l'habitude de l'organiser. La cohésion, c'est une réalité à Morla du Lasso. La paix est le quotidien souhaité par la population de Morla du Lasso. Donc au nom de Monsieur le ministre, nous avons donné des mots d'encouragement. L'édition 2020 de la Ziarat a pris fin par des prières pour les défunts. Sourate Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Illa innal insana la yatiqa. Annahu yastaghina. Inna ila rabbika rusya. Araita allazi yanha. Abdal iza salla. Araita in kana lal hudda. Awwa amara bittaqwa. Araita in kassaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna la yara. Illa la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Nasiyati kasibati qatiya. Falyadun nadiya. Sanadu sabaniya. Kalla la tuti wasjudu waqtarib. Sadakallahu al-azim. Sourate l'adhérence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah Muhammad de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il demande et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne saisit pas, nous ne saisirons certes pas le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché. Le début et la fin, il connaît parfaitement toutes choses.
Il est la cause sans cause de toutes les causes. Allah est la cause sans cause de toutes les causes. Il subit par lui-même. Allah subit par lui-même. Mon Seigneur se suffit à lui-même. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadu Rasulullah, sadiqul wadil amin. Il ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas. Il est immatériel, intemporel. Il n'a ni corps ni forme, il est impénétrable. Infatigable, immortel, nul n'est égal à lui. Que vous cachez votre parole ou la divulguez, Allah connaît bien le contenu des poitrines. Mon Seigneur maîtrise bien le contenu des poitrines. Allah connaît bien le tréfonds des poitrines. La ilaha illallah. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين واسروا قولكم ما وجع ربي انه عليم بذات الصدور الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا